Content avec vous matin hein? Et pour émission pour là émission matin débat donc me connaît et c'est émission et que peuple haïtien lui-même n'est pas négocié et c'est émission peuple là et me crois que je dis hein? Et nous à partir là pour nous faire célébrer premier anniversaire émission matin débat et bien dans un mois exactement matin débat a gagné 12 mois a gagné 1 an depuis que il existait sur antenne radio éclair le 100.5. Et pour anniversaire ça nous gagnons ensemble d'activités que n'a planifié parce que quand même et les que émission ça et pour ça lui représenter pour le peuple haïtien parce que je pense qu'on doit fêter ça. On doit fêter quand même ce premier anniversaire. Donc semaine ça équipe Haïti Marketing, équipe et direction générale Radio Éclair ainsi que toute équipe Matin Débat, nous pour planifier à partir d'aujourd'hui hein, pour connaître qui ça nous va faire pour nous capable de marquer. Donc ce premier anniversaire ce grand vous et pour anniversaire ça de la pratiquement donc il y a un rendez-vous national parce que célébration on a permettre que en pile monde sorti tout l'autre côté des artistes des artisans donc viennent participer avec nous surtout monde qui bon en pile dans question faire bouillon OK monde qui bon en pile monde qui compte faire bouillon très bien bon bouillon OK OK comment nous y est week-end ça son week-end qui était marqué ou du moins c'est m'a dit que nous en pleine saison en pleine fête et patronale donc nous sommes en pleine champêtre madame monsieur et pendant week-end nous nous défendons déplacer nous d'aller et la plaine du nord nous d'aller rendre visite donc à les amis que nous gagnons donc la plaine du nord nous d'aller font prier Saint-Jacques tout donc nous d'aller font garder donc un bassin hein, et puis parler avec quelques monde qui s'est pèlerin qui sorti tout l'autre côté premier remarque que nous faisons c'est que et Anessa fête Saint-Jacques là l'a bien plus ampleur que et l'autre fête qui passait déjà à coup fête Sodo t'es manqué monde Sodo mais Anessa baba nous menti moi même moi t'es arrivé et samedi soir, moi j'ai arrivé samedi soir, nous dormi pratiquement donc sur site là et était déjà chargé moun et nous fait en journée donc cap haïtien et hier après-midi pendant que n'a quitté cap haïtien et ben baba nous menti, c'est pas bonne pas paquette moun prend machine pour aller dans Saint-Jacques Anessa donc pas bliquer son week-end qui était en fait week-end ça week-end cap venir hein. Week-end qui se passé à c'est fête Saint-Jacques qui commencer Saint-Jacques nous connaît que c'est 25 juillet je dis à c'est 23 juillet pas besoin de nous donc c'est fête là qui dérapé et puis ensuite on va aller dans Sainte-Anne on va aller donc en Saint-Folleur on va dans Saint-Folleur donc une grande Sainte-Anne charitable donc c'est un côté tout qui va gagner en pile monde en pile Bellerin donc qui va sortir tout côté donc qui et pour participer donc avec qui va participer donc une fête Sainte-Anne donc m'a dit tout le monde déjà une bonne fête Saint-Jacques et gagner rendez-vous dans Fermat et nous connaît que Fermat gagne un gros l'église Saint-Jacques et grand pile monde qui sortit tout l'autre côté qui toujours aller prier Saint-Jacques. Donc dans Fermat donc on s'est tout le monde déjà en bonne fête Saint-Jacques et puis en bonne fête Sainte-Anne pas jamais oublier ça donc la route tue et blesse OK la route tue et blesse il y a un conseil qui est extrêmement important OK monde qui parler dans fête patronale pas oublier que il y a des monde qui l'ancien il y a l'église toute causée OK si on monde pas monde pas vraiment et moi crois que vous libre là pas de mise si moun n'a pas vraiment pas moun pour par exemple si sou di ko ban fête Saint-Anne par exemple et puis gen moun ki di am comme on ban fête Saint-Anne ban mon libre si moun n'a pas moun pour vraiment pas mettre dans machine il est très important oui ça m'a dit matin dans émission matin débat moun ki ban fête patronale ki ban prier ki ban dans pied saint OK ah un petit tout mais en l'autre OK gen moun c'est tourisme moi même mal me fait tourisme mal garder parce que moi même ambiance ambiance fête patronale d'ailleurs nous travaille longtemps donc question fête patronale non réorganiser fête patronale avec Haïti Marketing compagnie que nous gagne compagnie de production et que nous gagne mais ou même qui va dans fête patronale qui va dans saint qui va dans prier saint on est que moun prier saint donc tout gens dans pays d'Haïti gen danger tout dans prier saint gen des promesses qu'on fait gen des engagements qu'on prend et toujours on travaille on côté à côté mon petit zone à côté n'a fait Saint-Yo, il va être réglé. Donc si ou pas la fête champêtre, on me demande où libre de machine, faut réfléchir en pile. Parce que des fois on veut des monde qui gagne engagement avec Saint-Yo, qui gagne engagement diabolique. OK? Et puis les sous règlement, les sous règlement et gagne des saisons qui rivé s'il pas respecter engagement, il pourrait que le cal en fête là pas tourner. Il laisse ça son accident fait.
Mais ou même qu'on y a là qui obligé mêler nos questions d'accident et puis son monde qui a payé. Donc c'est très important. Madame monsieur donc dans samedi matin donc moi ou même qui va aller dans fête et patronale qui va dans fête champêtre pratiquement année ça. Bon et nous sorti Saint-Jacques et samedi soir nous passer Gonaïves nous font camper. Nous dans la cour capitale ça nous commencer faire travail dans zone ça et puis ensuite dans les Cap-Haïtien et puis nous dormir net Cap-Haïtien pendant toute journée hier là et puis hier après-midi nous camper Gonaïves. De fois bon campé Gonaïves et mais faut que me dit nous que Gonaïves c'est la caille moi et il y a très longtemps et m'pas marcher dans ville Gonaïves pour ça parce que nous sommes 5 candidats à la présidence, 5 candidats au Sénat. La présence de Louko Désir dans certaines zones de Gonaïve, livrez un paquet de bagailles. Livrez un paquet de bagailles. Il y a des gens qui sont toujours candidats ou qui sont candidats ou qui continuent à faire politique. Ne voulons pas déranger en fait mes frères et sœurs qui sont dans la politique de Gonaïve. Moi-même, je défends au trait. Ok, je sorti très timidement. Et je suis mal dans un petit club, mal dans un restaurant. Mais hier soir, Baba nous menti. Je dis bon. Écoutez, et vu que grand pile monde qui était débarqué là quand même sur date là, et puis on dit Louko, parce que l'arrivée Gonaïves besoin et que je dis parce que faut nous garder Gonaïves on leur dit. Bon, ça fait un plaisir des jeunes garçons et que me dégage chance rencontrer et puis me garder moi que gagner un pile jeune entrepreneur Gonaïves. Ah ouais, grand pile jeune entrepreneur Gonaïves et moi c'est que très bientôt ou même qui c'est mon émission matin débat qui est matin débat. M'a invité et non visite guidée pour Gonaïves ensemble. OK? M'a mené nous là quand même. OK? Et très bientôt. Donc je pense que c'est très important des monde comme ça et nous mêmes qui gagne et m'a dit qui c'est voix ville là parce que je dis à Kovle Kobavlel et tout le monde connaît que le côté c'est Gonaïves. Gonaïves. Yo mettait toute qualité peut-être des non Gonaïves là. Yo dit jolé, yo dit mais on grain bagaille ou pas dit ou pas foutu dit que le côté pas respecté monde et que le côté pas bien éduqué et que le côté pas jamais pas bien habillé, toujours senti bon. On m'a dit tout ça vrai. OK? Donc c'est Gonaïves. C'est quoi ça nous y est? Vous comprenez? Donc c'est pas vrai. C'est quoi ça nous y est? Gonaïves. Il faut nous voir zone avec nous et c'est même ça m'a pas nous menti. À faire pouvoir. Comment il va passer là en pays là, je dis là. Il m'attend bien formation pour nous. Pouvoir ça ouais là, car était Gonaïves net oui. Et ceci pour longtemps. Oui? Maintenant nous allons analyser. OK? Parce que hier nous entendons son qui a passé dans Gonaïves. Mais dans son cap passé dans Gonaïves qui a un rapport avec monsieur Chesnel Pierre m'a bien sur nous tout à l'heure pas virer bouton radio à qui dit sous matin débat parce que j'ai une formation pour nous OK et puis moi je vais Gonaïves m'aller l'aime garder moi rencontrer deux jeunes entrepreneurs Guillaume c'est un monde qui t'a vivre dans diaspora et monsieur quitté diaspora et bien monsieur décidé venir investir la Cali Gonaïves. Monsieur le Charlot, c'est comme ça, tout le monde Gonaïve connaît monsieur. Mais bon, non, monsieur, c'est William Dupuis. Et Will. Madame, monsieur, à n'importe qui le ou pas le Gonaïve, demandez pour vous mener chez Will Guesthouse. Ça, c'est une plus belle bagaille qui est dans Gonaïve là. Mon jeune garçon, qui investit comme lui, est-ce que vous avez manqué tout, monsieur, dernièrement? Oui. Si Will fait un an malade, un an de maladie, on t'a pigré là, c'est que, monsieur, par contre, dès qu'il maladie, il souffre. C'est après 3 mois, là, il y a un docteur. Il y a un docteur haïtien aux États-Unis, qui c'est un docteur demain. Et puis, matin, qu'on nous a très bien. Et il y a un docteur demain, puis matin. Bonjour, comment vous? Eh bien, nous, là, je vais dire nous en forme, non, parce que je fais auditoire à but. Mm-hmm. Et donc, là, oui, a fait l'abus. En tout cas, nous, là, et nous saluons tout le monde après un week-end. Nous souhaitons à ce que le week-end ait bien passé pour tout le monde. Au docteur, demain. Demain, c'est un monde qui a un esprit, qui sert avec esprit. Médecine scientifique et naturelle. Oui, il n'est pas obligatoirement son monde qui s'évitait. Ok. Parce que le monde doit apprendre à faire mystique. Donc, le docteur a capable de voir un monde qui est malade, qui n'a pas de maladie naturelle. Les gars, naturellement, tout dépend de l'habitation, ou bien on sent, ou bien on esprit. Je ne sais pas qu'on est. Les gars, yeux pour ça. Les gars, force pour ça. Les gars, comme on dit, depuis le toucher, les gars, ça. Les gars, ça. Alors, justement, donc, Tiwil, Michel, quand on est docteur Miami, qui sont docteurs demain, et puis qui dit, monsieur, tourne la cave. Alors, on va parler d'un jeune garçon qui investit comme lui dans Gonaïves. Gonaïves pas joué, madame, monsieur. Vous connaissez qui est dans le monde. OK?
Alors c'est qu'on s'allie de tous côtés. Ok? Mais Gonaïve pas joué. Monsieur Mène en pile monde Gonaïve et puis monsieur font bel business. Monsieur qu'on piscine avec on guest house hôtel bel bagaille. Monsieur on est fin de bagarre et puis les gars allez vous manger monsieur. Oui mais l'ordi Gonaïve plutôt dit la Tibonite. Bon, la Tibonite pas joué mais Gonaïve pas joué. Mais tu veux pas un innocent hein. Mais non écoutez voilà. Tu veux ouais si tu veux t'as dit ça devant mon qui connaît tu veux y a bruit. Oui ben y a tout le monde c'est diable. Mon cher tout le monde connaît. Mais si monsieur va mettre pied dehors, madame ce sont réalités que n'a parlé de lui là dans moment matin là. Si monsieur va mettre pied dehors, eh ben nèg manger monsieur, d'affaire monsieur tourner zombie. Eh bien, monsieur campé sous des pieds, eh bien, je dis, c'est un meilleur investissement que monsieur m'a dit que ville Gonaïve gagne. Eh bien, et. Rencontrer tout. Réginald de Jean-Baptiste, Régis Centro. Il y a ça, m'a fait parler avec deux jeunes entrepreneurs. Ils ont tous les deux le même souci. Ils ont peur. Si vous voulez que ce soit dans la diaspora qui vient là, qui investit dans Gonaïve, après ça qui passe dans le week-end 6, 7 et 8 juillet dernier, eh bien, ils sont très inquiets. Ils ont pile inquiétude. Et il y a une vingtaine d'employés, il y a 20 personnes qui ont fait le travail, et il y a une projection pour l'Ouest qui est capable de vivre 50 autres personnes de travail. Mais je vous dis, je suis très inquiet. Parce que il y a un bar, il y a un gars qui a une piscine, des gens viennent boire, des gens viennent manger. Ils ont depuis quelques temps, et ceci depuis après 6, 7, 8 juillet, il y a un paquet de groupes de gens qui sont sortis pour le prince, qui sont Gonaïve, qui viennent Gonaïve. Est-ce que c'est parce que c'est vacances qui fait que vous là, ou bien est-ce que c'est parce que justement, vous avez peur de quitter la zone de la caillou pour venir retourner la caillou Gonaïve? Mais les gens qui ont tout bien maintenant, ils n'ont pas de pouvoir d'achat. Je dis que je vais charger les gens dans la piscine, je vais gagner parce que 500 à 600 personnes. Et je vais garder des caisses moins. C'est à peine si je suis capable de couvrir frais journée. Hein? Il n'a pas fait bénéfice. Donc il est très inquiet. Réginald Jean-Baptiste, son jeune garçon également, qui, dans la question de l'eau traitée dans Gonaïve, monsieur gagne 75 employés directs, mais indirectement, monsieur gagne presque 400 employés. Monsieur fait même réflexion. Et puis c'est là tout, m'a dit monsieur, écoutez, donc je dis en ville Gonaïve, il faut nous garder. Il a applaudi en pile l'émission matin des bars, il a accueilli le coup comme les Gonaïves, vous même qui sont fierté de la ville, donc de yon. Et puis de là, nous font-ils parler de politique. Et puis, c'est là que Réginald Jean-Baptiste a dit, mon cher le combat Bomanti, et un candidat pour député de Gonaïve. Il me dit, oh, madame, monsieur, l'emballe le nom de Régis Sendo, et c'est un jeune garçon qui fait Kaifre Kaipe, puis Calibre Dominicaine qui étudie, qui retourne en Haïti, qui a investi Gonaïve. Et tout ça qui passe dans Gonaïve, après que même monsieur la donne. Que ce soit dans la construction, des gros constructions dans Gonaïve, dans nettoyer ville, dans le camp avec mairie, monsieur toujours là. Monsieur dit, nous comme candidat pour député Gonaïve. Je ne suis pas bravo parce que, là, moi, niveau engagement, monsieur, sur le plan économique dans la ville là. Je ne suis pas bravo tout, là, moi, que comme je dis, il y a plus de jeunes garçons éclairés, okay, qui décident de faire politique. Je dis, Réginald, est-ce que c'est vrai, soit dit, nous comme candidat pour député Gonaïve? Comment est-ce qu'on est que je dis à Réginald Jean-Baptiste, candidat pour député Gonaïve, eh bien, monsieur, déjà qu'on belle avance sur tout autre candidat qui a venu. D'ailleurs, monsieur, qui a pouvoir économique là. Les gars, il a lié, donc, sur le plan économique. Parce que lui, c'est un commerçant Gonaïve, il a un rapport avec tout presque plus gros commerçant qu'il a à Port-au-Prince. Monsieur, il a accès à quoi? Jeunesse là, quoi, non, monsieur? Il y a une question football, il y a une question jazz, musique, et puis monsieur, à terre. Politiquement, monsieur a peut-être besoin de backup pour le capable bien mener en campagne. Mais je dis à monsieur candidat pour député Gonaïve et Mabdoumba Matin qui est très important. Le sénateur Youla Tortu, comme leader de la ville de Gonaïve, il gagne un sénateur, Kalmuan Kantaf qui est cousin, lui-même c'est sénateur de la Tibonite, il gagne Nel La Tortu qui est Tifuel qui est magistrat Gonaïve, il gagne Jacob La Tortu qui est cousin qui est député. Eh bien, sénateur, l'autre, tu ne peux pas nous mentir, madame, monsieur. Il ne met compte ni sur le maïsra, ni sur le sénateur. Il a imposé un maïsra pour le sénateur encore. Mais depuis, il a perdu le Mbouza. Parce que Jacob, l'autre, tu es cousin. Tout un grand intellectuel, monsieur, son équipe très éloquent. Tout le monde pensait que monsieur allait parler pour Gonaïve. Oh, monsieur était bébé jusqu'à vous dire. Donc, vous parlez que bataille qui parle bien pour il parle plus son bataille dans le niveau. Député, parce que député, le fait de parler quelque chose comme la tortue, mon Gonaïve, vous êtes son paraya, on est game de la cette ville là, parce que tu es compté sur monsieur, député n'a pas fait, il n'est pas présent. Ville fait que je dis, ville là, pas décider sur député par là. Mais il y a plus de monde qui dit c'est Yuri Bouel, monsieur. Bouel, dans quel sens? Bouel.
Ou pas qu'il y a quitté espace pour lui. Permettez. Chaque longtemps, tu sais, on est intellectuel. Les amis, hein. C'est un intellectuel. C'est avocat. Vilgo naïf. Jacob, avocat depuis 2000, comme ça. Ok. Ouais, depuis 2000, monsieur. Ah, mais déficit, monsieur, après le fait que. Il a tenté de prendre une difficulté pour l'imposer depuis des Bougonaïf. Après que s'il entre dans le courant, depuis que tu es original. Je ne pense pas le plus. Original Jean-Baptiste. Je ne pense pas le plus. Plus sans qui sens. Parce que nous dit ça déjà dans le débat ici. Mm-hmm. Lorsque Yuri sénateur, lorsque Jacob député, lorsque magistrat Sétifrel, donc c'est parce qu'on oublié. Oublié. Nous dit dans le débat ici, la torture n'est pas arrivée plus haut encore. Si vous avez dégagé le coin, fait mener une bataille pour le président, c'est bien. Parce que l'arrivée non niveau où on popularité en crédibilité ou ca froid ca magistrat cousin la, son latotique député son la écoutez ça veut dire toute notre famille vient en face. C'est clair parce que toute notre famille besoin émerger et nous te dit ça nous dit bon ça où est depuis le papote on fuit question latotique les fini alors pour député là on va pas mentir il va grand pile difficulté pour imposer un député. Et là, c'est que madame, monsieur, son dossier n'a pas suivi et m'invite tout le monde gonaïve, ok? Tout le monde qui voulait aller gonaïve, nous mettons à gonaïve. Il est possible pour magistrat. Invitez-nous. Mbaldo, il y a un candidat à la présidence. Il y a besoin de tout le monde gonaïve. Il y a besoin de tout. Non, écoutez. Comme on voit le goût, pour faire retourner magistrat. Ils sont fins politiciens. Écoutez, bon candidat qui a gagné, Mbaldo Manti, ça va la marche. Il y a eu la torture comme sénateur de la République. Son candidat n'a pas un gob, on se met droit à terre. Puis c'est pas AA qui va l'investir pour vous, qui va le financer comme ça. Les gars, mon petit bac, dans le niveau Paris. Bon, mais candidat, il faut que vous ayez un candidat au combat. Elle dit que Réginal, et Réginal, Réginal, monsieur déjà, le candidat pour député, pas étonné pour elle, c'est peut-être c'est en bas AA que le candidat pour député. En tout cas, donc, madame, monsieur, là, je pense que c'est important. Et pour maintenant, je fais un petit zoom ça de temps en temps. Donc, je suis vulgo naïf. Mais je dis, je pense que si vous voulez vraiment aller, ok, pour capable passer un week-end, c'est go naïf. Sur l'autre dit Gonaïve, vous dit Henry. Ok? Ou qu'a planifié pour rester dans l'hôtel Chose Chantillon et qui c'est village d'Henry. Ou qu'a planifié pour rester dans l'hôtel Yura Tortuga qui c'est Amiral Kilik. Mais dans l'activité en la ville là, il y a un côté que moi-même, je recommande pour aller, c'est Tiwil Gessaus. Donc c'est dans plein temps, c'est vraiment son bon côté. Ou qu'a bien, il y a une piscine et puis il y a un bar qui open, restaurant et puis il y a un Gessaus. Je crois que monsieur Gimpe peut-être un 5 ou 6 chambres comme ça qui climatise belle bagaille. Donc moi, je recommande nous ça. Donc c'est nous t'assurer. Donc passons week-end qu'on arrive et très bientôt nous même dans l'émission matin débat. M'amène nous là quand même. Ok, nous faisons visite guidée et côté que nous allons aller et souvenance, nous allons aller Soukri, nous allons aller à Koubadjo et puis nous allons rester dans un hôtel ça yo. Et puis n'a participé donc dans activité et nocturne donc au niveau de la ville de Gonaïve donc gagne un beach une plage qu'on y a Gonaïve mais c'est que vous capable vraiment à passer un bon week-end Gonaïve si vraiment et vous pas voulez dépenser pile comme OK autant que vous capable décider d'aller Jacmel ou aller au Caï mais moi inviter nous à aller Gonaïve non mais okay? La mais bon la mais Gonaïve là c'est l'eau pour en route là comme quand on prend la rouge non mon la pierre ah ouais bien. Tout à côté mon la pierre là c'est bien. Non mais gon plage dans ville là même OK gon plage dans village était négligé son dame quoi que nettoyer l'Amérique là de font gros effort donc il y a une plage qui a aménagé un bel espace donc vraiment et parce que c'est ça vaut la peine OK donc m'invitez nous à Gonaïve et très bientôt m'a invité nous dans cadre visite guidée dans pombe ça mettez monde nous car la machine pas nous et puis mener nous Gonaïve là quand même m'a prendre m'amener nous dans la cour souvenance la cour sucre et faut de mener sous toi là tout et oui t'aime dans faut mener à l'hôtel monsieur Balotère et très bientôt j'étais à là très bientôt m'a plus monde besoin de ça. Très bien, ma bébé de notre. Ok, nous parlons avec Activité Culturelle. Et puis, matin, avant de nous aller avec questions politiques. Parmi les boutons, à toi, nous sommes pour nous. Jameson, bonjour, bienvenue dans l'émission matin. Comment nous bonjour, Luco Désir. Bonjour, Pierre Matin, à toutes. Et un plaisir à toute l'équipe de la radio Éclair 100.5, notre première sortie pour la semaine. La page culturelle avec Jameson Bernabé. Et justement, et pendant ce week-end, on a eu pas mal d'activités, puisque le week-end écoulé, on a eu des difficultés et tensions politiques. Mais actuellement, il y a plus ou moins amélioré. C'est sûr que
et activité nocturne commence à peu près timidement. Et on a commencé avec une activité qui est annoncée pendant le mois de juillet, qui a peut-être débuté en septembre. C'est une grande activité dans l'institution qui est les poètes pour la rue, qui sont marches artistiques et ateliers écriture punchline, avec bien entendu des formations sur la poésie, des formations aussi sur le breakdance, le hip-hop, et avec des intervenants qui n'ont milieu ça y est, côté que vous allez essayer présenter art urbain ou l'autre façon, ou de préférence la culture urbaine. Et puis, et pas oublier, pendant toute semaine, on a parlé du Festival Slam, qui c'est la troisième édition du Festival Slam, bien entendu, avec l'association Kremlock, et nous tenons BNE, et mercredi 18 juillet, qui était gagné conférence, et avec un peu l'activité culturelle, était gagné des artistes vraiment de talent qui étaient là, qui étaient participés, et dans séance open mic, avec bien entendu, et rappeurs, slameurs, et chanteurs traditionnels, mais vraiment, c'est une activité extraordinaire dans BNE, avec bien sûr, et association Kremlock, qui était bah, en activité sous rap, et puis avec et poésie, toutes dimensions. Depuis c'est hors scénique, hors côté que oratoire, et Kremlock était bah, occasion dans BNE, et qui était mercredi 18 juillet. Et puis, il y a une activité qui est extrêmement intéressante, que nous toujours annoncé par des émissions, c'est une activité que Asla Poumo lancé, qui c'est la troisième édition d'un projet social, c'est une capable de parler comme ça, côté que ont invité un paquet d'artistes qui sont dans le milieu, et musique en Haïti, ou bien dans l'autre domaine, artisan, et vini non projet qui c'est Nabalé. Il y a Pétionville, c'est 9 d'août, et côté que il y a essayé sensibiliser moun pour respecter environnement, un, et deuxièmement la rue, hein, qui c'est salon peuple dans Jérôme là pour moun capabilité et non climat qui plus ou moins propre, et ça qui fait à cela pour moi inviter tout moun 9 d'août dans l'activité ça. Et puis une autre activité qui est intéressante, c'est Vague littéraire, c'est son activité avec bien entendu des écrivains de partout, quinzaine du livre, côté que yo invité public yo apprendre lire. L'aime dire apprendre, c'est-à-dire inciter mon à faire des lectures, parce que ça est extrêmement intéressant. Il a commencé 16 juillet, il a fini 27 juillet, et 27 il a fait une activité extraordinaire et dans Rapadou avec rappeurs, slameurs, chanteurs traditionnels en façon pour essayer bah, une ambiance de tonnerre. Et activité ça, c'est peut-être une grande première, c'est une innovation, parce que l'insomnie ou bien nuit blanche, parce que au pape dormi c'est pendant toute nuit là, et on va enjoy avec et tout différents artistes qui a plat. Et puis, et dans le monde, bon, si n'a pas le monde musical en Haïti, nous gagnons album Toby et Vanessa qui est pratiquement fini. On attend et la date pour la signature de cet opus. Bon, mais espérez quand même, il n'y a pas la hauteur. Quoi, album ça qui après les migrations, bien opus ça après les migrations, c'est et Vanessa Désiré avec Toby, c'est un duo. N'a pas appelé dans le milieu rap, il y a un homme qui t'a fait ça, c'était Eud avec Dead Crazy qui était extraordinaire. Quoi, c'était Lumière Rouge. Mais peut-être avec Toby et Vanessa, c'est sûr que ça va être beaucoup plus intéressant, puisque c'est des jeunes très adulés dans le milieu et rap là, et qui fait des duos extraordinaires. Et puis Méchanceté, ça fait longtemps, mais vraiment longtemps, et que Méchanceté parlait de la sortie de son album Extraterrestre, et dans quelques semaines c'est bah, pratiquement la sortie officielle de cet opus. Et pas oublier après Scandale, Méchanceté qui était venu avec un autre, peut-être un autre genre et dans rap là, parce qu'il était dans hardcore ou bien ego trip, et Méchanceté qui parlait de et causé social. Bon, nous espérer et la potentiel fou, parce que tout le monde est contre Méchanceté tant qu'on est qui dans le milieu hardcore ou bien ego trip dans le milieu rap. Napton album ça, et puis Napton vini avec data. Et puis Echen Mai, musique et world, you know, qui crée un pile scandale en Haïti, parce que moi trouvé tout son bail qui vraiment pas manqué sens. C'est la façon yon nominé des artistes, c'est yon association qui nominé des artistes, qui nominé des monde qui dans le milieu et culturel là, y a des promoteurs et artistes de tout genre. Nous gagnons deux et artistes déjà qui décliné nomination ça, c'est peut-être pour la première fois qu'on baille comme ça fait en Haïti, côté que gagne une institution qui a et Bamoun Erod, et puis gagne quelques artistes eux même qui dit yo pas monter dans bagage ça. Nous te gagne Edda Lyrics, yo te nominé comme best lyriciste, monsieur dit il pas besoin, et puis moi dit aussi tout qui dit merci beaucoup pour nomination hein. Donc c'est vraiment scandale jusqu'à présent avec activité ça qui peut-être manqué intéressant et en matière de structure et bah yo qui manqué planifié. Neges Marron festival avec bien entendu et avec en pile séance culturelle qui reportait, l'idée supposée faite en mois de juillet, mais malheureusement et situation te permet que festival négatement reporté, c'est en septembre. On aura la date bientôt et en prochaine édition on a présenté aux data. Festi Graffiti Tour, encore une autre activité reportée malheureusement, qui était dû faite en juillet, mais malheureusement avec situation politique là, ça vient de faire que Festi Graffiti reporté. Et une bagaille qui est intéressant dans le milieu qu'on passe, c'est 70 l'année septentrionale, et côté que monsieur Abtouissé sur
sorti un album et yo gagné plusieurs activités côté que y a présenté et album ça dans des spectacles et franchement même foué chapeau et bah monsieur Septon qui kembe 70 l'année dans milieu et musique en Haïti bah qui est extrêmement difficile Tropicana qui a fait là et peut-être T-Vice tout qui a pu dans groupe qui a pas kembe en pile année parce que manager a vraiment structuré groupe là et puis nous tenons conférence Mariotte et c'était samedi sous et festival Bikini qui a fait 5 d'août côté que t'ai parlé vraiment de festival ça de Jean Lapier parce que c'est une grande édition en Haïti mais la dernière édition a été assez baronné pas trop intéressant mais nous espérons et cette nouvelle édition sera meilleure par rapport à la et à la édition précédente so, et qui c'est festival Bikini puis Sommerfest nous connaît qui peut être une concurrence avec Festi Bikini mais Sommerfest même qui pour moi-même vraiment une grande dimension et de promotion par rapport avec et festival Bikini lui-même qui est déjà gonon mais Sommerfest nous connaît pour presque un an pour yo faire et activité ça et puis pour finir hier dimanche nous était dans Cloti Festival Slam qui était fait et dans fondation Agi Haïti et c'était une activité extraordinaire avec des artistes comme Willy Saint-Louis qui sont nèg qui toujours a mettre en musique des poésies nous était gagné JB Tech Tech et Vanessa Jeudi et puis Ricardo Xavier qui était et dans activité ça avec un pilote artiste puis était gagné Invasion Dance et puis yon l'année déjà avec émission Matin Débat nous avons bien plus de détails dans l'édition qui a venu parce que c'est une édition c'est une activité qui va extraordinaire en matière de spectacle en matière d'organisation et avec Haïti Marketing et nous avons vraiment gagner plus d'informations dans les prochaines pages et culturelles et puis nous avons fait champêtre 24-25 juillet parce que c'est fête Saint-Jacques et côté que nous avons vraiment à débarquer pour aller essayer fêter avec Jazio et puis tout profiter tout ouais famille puis en Safolé c'est avec fête Saint-Anne c'est 26 juillet c'est date qui pi près pour fête champêtre mais et ben cette situation anti gens rétabli monde qui te gagne inquiétude capable garder comme attention pays aller pour rentrer pour venir dans fête champêtre et dans d'autres activités culturelles que nous annoncer en dedans page culturelle là c'était Zami Paul Jameson Bernabé pour notre première sortie de notre page culturelle à travers l'émission Matin Débat sur la radio 100.5 Radio Éclair plus prochain rendez-vous c'est pour demain même heure avec bien sûr Jameson Bernabé merci Loco merci Pierre Matin à toutes et merci à toute l'équipe de la radio Éclair. Merci beaucoup donc à Jameson Bernabé. Bon travail nous en pile dans le pays, madame, monsieur, ok? Parce que ce week-end j'ai eu la chance et de partir avec et presque et quelques CD, ok? Et fraîchement sorti. Et le dernier de Zinglin, le dernier de Vibe, le dernier CD de Ram. Le dernier CD du groupe Cadence. Le dernier de Jakout Number One. Et que je me tendais sur toute route là. Et ça fait la peine, au grand brisa, parce que moi que promotion musique là pas faite. Donc il y a un problème sérieux là dans le pays. Ok, promotion musique là pas faite. Les maps de CD pendant le week-end, non, m'envie en fait retourner dans la question animation. Juste pour moi qui aime capable un coup de main, donc artiste ça y est, musicien ça y est. La promotion de la musique, plus ralenti. Donc, ouais, que qui promotion qu'a fait là, dans le moment, c'est sur les réseaux sociaux, mais sur les réseaux sociaux, c'est plus promotion musique Border Gap qui fait. Mais invitez-nous à attendre sur et YouTube. Si nous avons chance, acheter CD ça, acheter CD Jakout Number One qui est très bon. Le CD de Zinglin qui est très très bon. Le CD de Vibe qui est très bon. Mais surtout, le CD du groupe Cadence, madame, monsieur. Et ce matin, permettez-moi de vous faire découvrir une, pour moi-même, meilleur titre, pour moi-même, meilleure production, ok, pour année 2018. Non? Et parce que lui mettait sous, en évidence, deux chanteurs. Par contre, si nous entendons de musique, ça déjà, m'a fait nous découvrir le matin, l'émission Matin Débat, vu que nous sommes dans la page culturelle. C'est Réginald Kangé ensemble avec Judien qui font duo extraordinaire, madame, monsieur. Je vous invite à la découvrir, cette chanson. Et c'est sous album Cadençant qui ça nous vaut. Ok, voir Réginald Kangé et Judien. Nous voir qui qualité chanteur que Réginald Kangé lui-même lié. Et vraiment, ma bête bravo à toute l'équipe de Cadence. Et vraiment encourager donc animateur de radio pour de musique. Puis on connaît qui Jean, il a fait promotion musique.
Et je pense que vous-même qui êtes auditeur, ok, qui êtes fanatique de jazz, l'important. Donc, cherchez à acheter ces désaïos. Et puis, on a bonne raison